Olivia Newton-John et John Travolta ont fait rêver des générations entières avec la comédie musicale Grease, sortie en 1978. Le monde entier s'est passionné pour l'histoire de Sandy et Danny, imaginant alors coentrer les deux acteurs, une histoire allait naître si ce n'était pas déjà le cas. Pourtant la réalité est tout autre. Olivia Newton-John, nous étions tous les deux avec d'autres personnes lorsque nous tournions à l'époque du tournage, Olivia a 28 ans et John 23. Ils sont beaux et célèbres mais ils sont aussi en couple. Interviewée par Mamma Mia No Filter, alors qu'elle avait 40 ans, Olivia Newton-John est revenue sur cette période et a expliqué les raisons de l'absence de relations amoureuses entre elle et son Danny. Nous étions tous les deux avec d'autres personnes lorsque nous tournions et je pense, respectueusement, que cela ne s'est tout simplement pas produit, avait-elle expliqué sur le podcast. Je pense que c'était bien, parce que je pense que cela a maintenu la tension et la chimie. Cela aurait pu être un véritable désastre si nous avions décidé de sortir avec quelqu'un ou si nous avions eu une brouille ou quelque chose du genre. Donc, je pense que c'était tout aussi bien que cela ne se soit pas produit. Mais nous sommes toujours de grands amis. Et si est un fait, les deux acteurs sont restés liés toutes ces années. À l'annonce du décès de l'actrice et chanteuse, John Travolta n'a pu retenir son émotion et lui a laissé un adorable message. Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t'ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John. Preuve que l'on peut aimer très fort sans forcément être un couple, et que les liens deviennent alors indestructibles.